Notre programme continue avec le nouveau hit numéro 1 des Bratz Rock Angels. Elle rock fort et elle rock encore. Hé hey, les filles, c'est notre chanson, ils passent notre chanson. On est numéro 1. Ça, ça déchire. Top, génial. On est les meilleurs. Hé hey, Roxy, on est numéro 1, non mais tu le crois ça? Vous demandez comment des filles passionnées de mode peuvent devenir des rockstars? C'est une histoire palpitante qui commence un matin au centre commercial. Faire un grand voyage, vivre la grande vie avec mes meilleurs amis et que je vais rencontrer un prince qui m'enlèvera sur son cheval blanc. C'est ça, Chloé, comme si t'allais t'approcher d'un cheval, je rêve. Je le ferai s'il y a un prince dessus. Ça dit aussi que tu es l'impératrice de l'exagération dramatique. Oh, ça, c'est complètement faux. Oh, tiens, oh, quelle horreur, je suis fichue, je viens d'avoir une explosion artérielle du cervelet. Alors le mien dit que je suis une fille forte, sensible et assez secrète. Et qu'il y a dans mon avenir un gentil et merveilleux garçon et que nous serons heureux toute notre vie. Écoutez un peu ça. La musique est mon truc et mon style est du genre ravageur. Je ne peux m'engager avec aucun garçon. Pourquoi le faire quand on est aussi jolie? Et je suis... Oh oui, c'est ça, comme si je savais de quoi il parle. Ce magazine est débile. Caractériel et autoritaire. Waouh, Sacha, c'est de la pure divination. Je l'ai eu, j'ai réussi, je l'ai eu. Quoi, le dernier CD de Crash? Mieux que ça, j'ai décroché le poste de stagiaire. Celui à Your Thing Magazine. Vous avez devant vous la nouvelle assistante de Mademoiselle Birdine Maxwell, rédactrice en chef. Trop génial! Waouh, Jade, tu vas sans doute être invitée à toutes les premières et rencontrer tous les top modèles pendant les défilés. Et avoir des places gratuites pour tous les concerts, oh la chance! Ouais, non mais vous vous rendez compte, c'est magique! Le plus grand rêve de toute ma vie va bientôt se réaliser. Non mais t'as vu ce qu'elle a fait sur le stand? Alerte, pain bêche en vue! Les deux choses en rose qui avancent vers nous, c'est Kirsty et Casey. Mais au collège, tout le monde les appelle les jumoniaques, parce qu'elles sont jumelles et atrocement démoniaques. Le pansement sur le nez de Casey est dû à sa troisième chirurgie esthétique. Des objets volants lui ratatinent le nez à longueur de journée. Oh, regardez qui rôde ici. La bande style cruche et tendance ringue. Ouais. Quelle grosse nouille. Quelle grosse nouille. Oh, oh, Chloé, j'aperçois ton prince charmant. Vous voyez le garçon à droite? C'est Cameron. C'est le genre qui dit rien. Genre timide, gros dur, cœur tendre. C'est à la maternelle que je l'ai rencontré. Je le trouve trop mignon et tout, mais c'est toujours si difficile de savoir ce qu'il pense. Maté le champion! Dylan, attention! T'énerver, c'était un accident. Oh, je t'interdis de me dire de ne pas m'énerver. Tu n'es qu'une espèce de skater. Oh, l'insulte qui déchire. Un rewind? Vas-y, on te regarde.
Très joli. Tu me laisses essayer? T'es sûr de ton coup? Fais gaffe, ça glisse. Classe! Jolie figure, Chloé. Merci, Cameron. Je sais faire un tas de trucs super cool. Je veux dire, avec un skateboard. Tu sais, des Hollies et des Donkey Kicks, des 720 et un tas de trucs. Génial. Tu crois que tu pourrais m'apprendre à faire un 720, un de ces quatre? Oui, bien sûr, pourquoi pas? Cool. Quand tu veux, prof. Hé, les gars, vous connaissez la nouvelle? Jade a décroché un stage à Your Thing Magazine. Elle va y travailler pendant tout l'été. Ah, la classe! Ouais, trop top! Mais c'est quoi, au fait, Your Thing? Savez-vous que vous parlez à la fondatrice, la présidente, la rédactrice en chef du plus grand magazine de mode de notre époque? Vous n'êtes qu'un ridicule mollusque, une larve incompétente. Je veux une douzaine de paires d'escarpins roses pivoine ici, demain, en taille 45. Et ne me servez plus d'excuses aussi ineptes que votre taille n'existe pas. Par Sainte Rosetta. Une seule question, qui êtes-vous et que faites-vous chez moi? Je suis Jade, votre nouvelle assistante stagiaire. Et je tenais à vous dire à quel point je suis heureuse de venir travailler avec vous à Your Thing. J'ai eu des tonnes d'idées pour le magazine. Oh, c'est vrai, je vous écoute. J'ai pensé qu'on pourrait faire un article sur les tendances de la rue. Un guide des nouveaux lieux à la mode, un test concernant la fête. Stop! Que les choses soient claires entre nous, très chères. Je suis la seule qui puisse avoir des idées ici. Your Thing est mon magazine. Vous travaillez pour moi. Et votre statut ici est moins que rien. Je vous prie de m'excuser, je n'avais pas l'intention de... Oh, mes autres stagiaires! Deux délicieuses jeunes filles. Flash info. Intempérie en vue, je sens le désastre. Oh, des roses! Merci, ce sont mes fleurs préférées. Voici la liste des tâches que vous aurez à accomplir. Et tenez les filles, ça c'est la vôtre. Allez, au travail! Royal et moi avons un shopping chaussure urgent aujourd'hui. N'est-ce pas, mon bébé bibou au sucre? Qui c'est le bébé bibou que sa maman adore? Trop top, une série de photos de mode. Je vais avoir besoin de vous pour poser, les filles. Bon, d'accord. Oh, Kirsty, c'est superbe. Oui, fais-moi un sourire de top modèle. Oui, magnifique. Fais l'amour. Oh, c'est super. Vas-y encore. Oui, génial. Oh oui, c'est bon. À ton tour, Jade. Attends une seconde. Ah, parfait, j'achète. Oh, je suis morte de fatigue. Ce travail, c'est une vraie folie. Waouh, c'est ça qui est de la folie, j'y arriverai jamais toute seule. Un peu d'aide serait la bienvenue. Désolée, c'est épais. C'est épais? C'est ton problème. Working overtime, you got a lot of things that you gotta do. Working day and night, feel like you never stop. Working overtime, all you really need is a little more time. Mais tu l'as vu, cette birdine? Ses vêtements, ses cheveux, tout a l'air d'être en plastique. Ça, c'est clair. Elle me rappelle la poupée avec les cheveux qui poussent avec laquelle tu me frappais quand on avait 3 ans. Allez, les filles, montrez-moi votre série de photos mode et anti-mode. Mode? Anti-mode. Oh, magnifique, j'adore. Elles ont peut-être raison. Je ne suis qu'une pauvre fille, une ringarde anti-mode. Jade, alors comment ça se passe? Si tu savais, c'est horrible, Angel. Birdine est une femme méchante. Je suis sûre qu'elle me déteste. Et devine avec qui je travaille, les jumoniaques. Oh là là, ça doit être atroce, mais... Essaie de tenir le coup. Ça a toujours été ton rêve, tu te rappelles? Oui, tu as raison. C'est mon rêve.
Tu es une vraie amie, Angel. Merci. Pas de problème, Cool Cat. On se retéléphone tout à l'heure. Oh, Birdie est atroce. C'est une méchante vilaine. Et Kirsty et Casey sont de vilaines méchantes. Ah, vous voilà. Et où est mon courrier? Tenez, il est là. Vous avez plein d'invitations. Que des trucs géniaux. Regardez combien il y en a. Il y en a même une de... Oh! Sans intérêt, sans intérêt, sans intérêt. Et sans intérêt. Par Sainte Rosetta. Vous ne reconnaissez pas un courrier sans intérêt quand vous en voyez un? Je porte mes nouveaux escarpins aujourd'hui. Vous prenez les vieux et vous me les cirez. Et où est mon déjeuner? J'ai faim. Allô? Quoi? Comment ça, les ventes de Your Thing ont chuté? C'est impossible! Quoi? Vous savez ce que Birdie veut pour déjeuner? Bien sûr, on a déjà commandé, y'a qu'à aller le chercher. Mais c'est ton tour de passer le prendre au restaurant. D'accord, j'y vais, je tirerai les chaussures plus tard. Oh, par Sainte Rosetta, c'est quoi ça? Votre déjeuner. Cette chose immonde. Qu'est-ce que vous essayez de faire au juste? Vous voulez me tuer? Me faire devenir obèse? Je ne mange que de la salade verte. Mais je... Épargnez-moi vos excuses, vous êtes viré. Vous entendez? Viré. Et non seulement vous ne travaillerez plus jamais, jamais dans ce magazine, mais vous ne travaillerez plus jamais non plus dans aucun magazine au monde. Me suis-je bien fait comprendre? Vous êtes viré, viré à vie. En fait, même vos enfants et vos petits-enfants sont virés. Virés. Ma vie est fichue, je suis finie. C'est tellement injuste. Tous mes espoirs et mes rêves ont été détruits en seulement 3 heures. T'as tort de travailler, Cool Cat. Tout va s'arranger, j'en suis sûre. C'est vrai, tu as beaucoup trop de talent pour ne pas réussir. Jade, tu as du chic, du style, t'es une super héroïne. Birdie est une nouille qui vient de passer à côté d'un trésor, elle le regrettera. Vous êtes sincère, vous le pensez vraiment? Et comment? Allez, debout, mesdemoiselles, haut les cœurs, c'est le moment d'aller se donner un coup de flash au moral. Shopping! Vous êtes géniales, les filles, je vous remercie d'être là pour moi, vous êtes les meilleures. Oh, tu rigoles. On sera toujours là. Sinon, les meilleures amies, ça servirait à quoi? Attention, les filles, alerte aux sorcières, percée de jumoniac à 12 h. Tiens, tiens, ne serait-ce pas Jade et sa petite bande de reines du mauvais goût? Mauvais goût? Mais attends, tu t'es pas regardée? Si, et plus je me regarde, plus je m'adore. Oh. Alors, Jade, tu vas faire quoi maintenant que ta carrière dans la mode est totalement anéantie? Désolée de vous décevoir, sa carrière n'est pas anéantie, elle vient de commencer. Oh, suis-je bête, sa carrière dans la livraison d'un burger. Oh, mon nez. Tu sais, Cool Cat, de toute façon, t'aurais rien appris dans ce magazine, il est nul. T'as raison, ce style poussière et toile d'araignée. Vous savez, on devrait avoir notre propre magazine. Pretty Princess, c'est trop fort, ça c'est une idée géniale. Tu crois? Ce serait formidable, je pourrais écrire une rubrique conseil. Chère Chloé, au secours, je ne sais pas quoi mettre. Et moi j'écrirais une rubrique tendance, où est-ce qu'il faut sortir, où est-ce qu'il faut travailler. Et où les filles peuvent apprendre les dernières poses. Et moi, je serais rédactrice en chef. Benny Boo.
Je veux dire rédactrice du secteur musique. Je ferai des articles sur tout ce qui sort, sur tout ce qui bouge, sur tout ce qui fait danser le monde. Et moi, je serai la plus inventive et la plus branchée des rédactrices en chef. Attendez une seconde, est-ce que vous pensez à ce que je pense, les filles? Si tu savais à quel point je pense ce que tu penses. Vous plaisantez ou vous êtes sérieuse? On ne plaisante pas du tout, on va lancer notre propre magazine. Attendez, faut réfléchir et être réaliste. Comment on va faire sans bureau? On n'aura jamais les moyens de s'en payer un. Je devrais faire du babysitting tous les soirs et même tous les week-ends et même... T'arrêtes d'angoisser, Angel. Je m'occupe de tout. Et voilà, c'est là. Génial, j'adore. C'est super. C'est l'horreur. Pourquoi? C'est là que Birdine a ses bureaux. Si j'entre et qu'elle me voit, je suis plus que morte. On est avec toi, t'inquiète pas. Vous saviez comme je suis contente de ne plus travailler là. Pourquoi elle a une couronne sur la tête? Birdine a une très haute opinion d'elle-même. Elle dit qu'elle est la reine de la mode. Elle est plutôt la reine de la méchanceté. Sa majesté, la reine Birdine, va tomber de son trône. Voilà les filles, c'est là. Ouvrez vos yeux ébahis sur le plus top génial de tous les lofts de la ville. Mais enfin, c'est une plaisanterie. Je reconnais que cet endroit a besoin d'un petit coup de fraîcheur. Bon, d'accord, un très sérieux coup de fraîcheur. Mais comment on va faire? C'est l'enfer, cet endroit est insalubre. Tous nos espoirs, tous nos rêves, tout est réduit à néant. Arrête de nous faire une tragédie grecque. Reprends-toi, on s'en sortira. On a survécu à l'entrée en sixième, on survivra aussi à ça. Ok, d'abord un bon coup de nettoyage et de peinture. Ici, on mettra quelques étagères. Un coin salon pour recevoir les gens. Ici, on installera l'ordinateur. Et en un rien de temps, ce sera un vrai palace. Au boulot, les filles! Si votre magazine est moitié aussi canon que votre bureau, il sera sûrement génial. Ah, au fait, si par hasard vous aviez besoin de quelqu'un pour venir s'occuper des top modèles, je réponds au téléphone 24 heures sur 24. Au revoir, Milan. Oh, très intéressante antiquité, c'est du mauvais goût typique de 88. Ça doit être l'idée tordue que Dylan se fait d'une bonne plaisanterie. Non, en fait, elles sont à Birdine et c'est l'idée tordue qu'elle se fait de la mode. Elle m'avait demandé de les cirer et j'ai oublié de lui rendre. Nous, on ne montrera jamais rien d'aussi vomitif dans notre magazine. Alors, les courges, on veut lancer un magazine? Oh, et de quoi ça parle? De comment devenir une courge? Non, de rien qui soit susceptible de vous intéresser. C'est un magazine de mode. Un magazine de mode? Je crains le pire vu votre façon de vous habiller. Comment ça va s'appeler? Cri d'horreur? Ouais! Attendez que Birdine découvre que vous essayez de concurrencer Your Thing.
Rassurez-vous, loin de nous l'idée de concurrencer une telle nullité. Oh Jade, on est désolée, on ne pourra pas être là pour te faire virer en moins d'une journée. Mais tu sauras très bien mettre la pagaille toute seule comme une grande. Oui, et ensuite vous n'aurez plus qu'à vous virer les unes les autres. Touchez couler, Daisy. Excusez-nous, mais nous avons beaucoup de travail. Et vous, vous avez une lessive urgente. C'est quoi ces bêtises? Peinture fraîche. Oh, bande de brats! Je suis sûre que c'est un commenté. Daisy, viens, on s'en va avant qu'elle monte un autre coup contre moi. Je ne veux plus jamais revoir ces deux pestes. Alors évite les toilettes entre 13h30 et 14h. C'est là qu'elles vont dire plein d'horreurs sur Birdine. Dis donc, c'est très intéressant, ça. Oh, petite princesse, qu'est-ce que tu as dans la tête? Oh, passe-moi ton rouge à lèvres. Mais qu'est-ce que t'as fait du tien? J'en sais rien, je ne le trouve pas. Tes barbantes, c'est toujours pareil. Oh là là là, j'ai un gros bouton qui pousse là-dessous. Explosé! Mon nez est quand même mieux que celui de Birdine, non? T'as raison, le sien est tout maigre et tout pointu, c'est atroce, on dirait un bec de pie. Oh, et tu crois que bec de pie s'est fait faire d'autres chirurgies? Tu m'étonnes, je parie qu'elle a eu une liposuction, un lifting et qu'elle s'est fait siliconer les lèvres. Oh, tu les as vues, elles sont boursouflées, on dirait de grosses saucisses. Elle a quel âge à ton avis? C'est une véritable ancêtre, elle a au moins 30 ans. Je suis sûre que c'était elle. Je reconnaîtrais ses escarpins roses entre mille. Je parie qu'elle a tout entendu. Qu'est-ce qu'on va faire? Pleurer? Tu as totalement réussi ton coup. Mission accomplie! Alors? Birdine, on est navrés, désolée, je vous jure qu'on pensait pas un mot de ce qu'on a dit. Vos lèvres ne sont pas aussi boursouflées que de grosses saucisses. Et on ne pensait pas non plus que votre nez ressemble à un bec de pie tout maigre et tout pointu. Elle nie que vous avez 30 ans. 30 ans? Vous me donnez 30 ans? Mon nez, je vous en prie, ne touchez pas à mon nez. C'est pas les mêmes chaussures. Oh oh. Vous avez réfléchi à un nom pour notre fabuleux magazine? Qu'est-ce que vous pensez de... Sacha? Oh, arrêtez les filles, c'était pour plaisanter, c'est tout! Enfin, presque. Il faut qu'on trouve quelque chose qui ait du style. Et du caractère. Comme nous, quoi. Premier article terminé. Comment vaincre les pestes en tout genre? Surtout ne pas s'énerver et agir. Oh, bande de brats! Oui, c'est ça, brats! Cool Cat, t'es folle ou quoi? C'est comme ça que Birdine et les jumoniacs nous appellent. Moi, je trouve qu'il nous va bien, ce nom-là. Essaie de lui donner un peu de caractère. Là, ça lui donne peut-être un peu trop de caractère. Oh, je sais. Attendez une seconde. Super, maintenant trouvons notre premier grand scoop. N'en dis pas plus. Il se trouve que j'ai gardé toutes les invitations que Birdine m'a demandé de jeter. Les filles, vous n'allez pas le croire. Super Jade, la plus grande reporter de mode de tous les temps, vous offre aujourd'hui le scoop des scoops sur un plateau. Des invitations pour la grande soirée d'ouverture du Pins, la boîte la plus branchée, la plus rock du siècle. Et pour le concert de charité de Sauver l'Univers. Trop fort! C'est géant! C'est top, ça déchire! Toutes les rockstars y seront et elles viendront du monde entier! Tous les frais sont pris en charge, déplacement et hébergement inclus, voyage en jet privé, réservation d'une suite dans un hôtel de luxe 5 étoiles et cerise sur le gâteau, c'est à Londres! Ah! On est rock! On est top! On connaît tout du style, nous la mode, ça nous passionne! En avant les filles, on s'envole pour Londres! J'ai du mal à croire ce qu'on est en train de vivre. Notre propre magazine. Londres, ça va être top.
Ce sera même encore mieux que ça. Je suis tellement heureuse. Ce voyage va être fabuleux, tu crois pas, Cameron? On pourrait peut-être aller voir Big Ben ensemble. Si on a le temps, oui, bien sûr. Excusez-moi, mais il me semble que vous occupez mon siège, très cher. Oups. Oh, je suis désolée. Je vous prie de m'excuser. Permettez-moi de me présenter. Je suis Nigel Forrester, 9e duc de l'Essex. Alerte coup de cœur. Mon horoscope disait qu'un séduisant prince allait m'enlever sur son cheval blanc. Mais un duc dans un jet privé, ça me convient très bien. Moi, c'est Chloé, mais tous mes amis m'appellent Angel. Ravie de vous connaître. Faut te détendre, c'est cool, on a que 10 heures de vol, ça va le faire. Merci, Dylan, merci. Je me sens beaucoup mieux, t'en as d'autres des comme ça? Finn, c'est la boîte la plus branchée, la plus classe, la plus punk rock qu'on ait jamais vue. Et au concert de charité, ça va être extraordinaire. Toutes les plus grandes stars du rock seront présentes. Pauvre Birdine qui n'est au courant de rien. Elle serait folle de rage si elle savait qu'elle a jeté au panier les invitations pour la soirée de l'année. Oh, donne-moi ça, espèce d'affreux plumeau. Oh, vous n'êtes que des idiotes. Comment avez-vous osé me laisser ordonner à Jade de jeter les invitations à la soirée de l'année? Mais on n'était même pas dans votre bureau quand c'est arrivé. C'est vrai. Épargnez-moi vos lamentables excuses, je vous en prie. Your Thing ne doit en aucun cas être doublé par ces amateurs de Bratz Magazine. Sinon, je vous suspends tête en bas toutes les deux par les lanières de vos chaussures. Et comment se fait-il que mes valises ne soient pas encore descendues, mais que vous êtes lente? Allez, du nerf, hop, hop. Lâche ça, espèce de rat puant. Mesdames et messieurs, veuillez attacher votre ceinture. Nous allons amorcer notre descente sur l'aéroport international de Londres. Angleterre, accroche-toi, nous voilà. Oh, regardez, on peut voir Big Ben. Si je puis me permettre cette hardiesse, je serai très honoré de vous conduire voir Big Ben dès demain matin. C'est vrai? Vous voyez ce que je vois? J'adore! Regardez-moi ce hall d'entrée, c'est trop classe! Oh ouais! Et voilà! Bienvenue dans la suite royale, style et grand luxe assuré. Waouh, c'est beau, cet endroit est magique! Regardez ça! Ouah, le fauteuil, c'est complètement dingue! Je kiffe grave! J'ai l'impression d'être une star de cinéma! Waouh, venez vite voir la vue qu'on a! Laisse tomber la vue! On va aller se balader en ville! Oui! Londres, nous voilà! S'occupe de trouver les 10 meilleurs endroits où rencontrer de jolis garçons. Cameron et Dylan vont couvrir les sports et divertissements. Et Jade et moi, on va cibler le Londres de la mode et du style. Je me suis déjà fait une petite liste de tous les endroits super classés et branchés que je veux visiter. Tu veux dire que nous voulons visiter? Hé, hey, Carnaby Street n'est pas dessus. T'inquiète, Cool Cat, on ira aussi. J'espère. Tout va bien, les filles. On est venues s'éclater toutes les quatre. Laissez la magie de Londres vous envahir. Oui, tu as raison. Oh, c'est sûrement ma mère qui m'appelle. Encore.
Non, maman, il n'est pas question une seconde que je porte ces affreuses bottes en caoutchouc que tu as glissées dans ma valise et je... Nigel! Salut! Oh mon Dieu, c'est lui qui appelle! Allez, allez! Oui, bien sûr que je me souviens de vous. Là, maintenant? Non, j'ai rien de particulier à faire. J'arrive tout de suite. Oh non, j'ai rendez-vous avec Nigel et j'ai seulement 5 minutes pour me préparer. Oh, Angel et notre visite de Londres! Je vous rejoins dans la matinée, d'accord? D'accord. Merci, vous êtes chou. Oh, c'est l'enfer, c'est l'horreur. J'arrête pas de saigner du nez. T'as qu'à te boucher. Par Sainte Rosetta, s'il vous plaît, voulez-vous contrôler votre monstre? Excusez-moi, mais c'est votre mulot chevelu à tête de rat qui a attaqué mon chien. Ozzy n'a rien fait. Allez vous faire empailler. Allez, viens, Ozzy, laisse tomber cette vilaine femme et sa crevette emplumée. Assis. Royal, assis. Oh, par Sainte Rosetta. Merci pour cette fleur, Nigel. Elle est magnifique. Pas aussi jolie que la beauté qui la porte, Pretty Princess. Vous savez, je ne me souviens pas avoir jamais ressenti des sentiments aussi forts pour une jeune fille. Oh, Nigel, on vient à peine de se rencontrer. Je sais. Est-il donc si insensé de croire au coup de foudre? Oh, une valse. M'accorderez-vous cette danse? Je rêve. Où ai-je réellement trouvé mon prince charmant? C'est dingue, ça! Comment ils font les Anglais pour zapper avec seulement 5 chaînes à la télé? Chloé, alors comment c'était avec ton prince charmant? Prince charmant, tu parles? Vas-y, raconte-nous tout! On veut tout savoir! C'était époustouflant. On est allé dans un restaurant romantique et distingué. On a mangé des choses délicieuses et ensuite on a valsé. C'est quoi ça, valser? Valser, c'est un truc de vieux naze. Eh bien, je suis ravie que tu aies eu une soirée géniale, mais souviens-toi qu'on a un reportage à faire demain matin. Oh, peut-être plus tard dans la journée. Je suis invitée à visiter le château de famille de Nigel. Je suis désolée, mais quand il m'a appelée Pretty Princess, je n'ai pas eu le cœur de dire non. Pretty Princess? Mais il est à moi, ce surnom. Nigel, votre château est vraiment magnifique. Oui, il a un certain charme. Oh, oh. Je vous en prie, chérie, concentrez-vous sur la boule. Oui. Oh, excusez-moi une seconde. Ah, salut Yasmine, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il est déjà plus de 4 heures et tu étais censée me rejoindre ici à 3 heures pour qu'on fasse notre reportage. Oh, c'est vrai, je suis désolée, quelle idiote, j'ai complètement zappé l'histoire. T'inquiète, je pourrais sans doute te rejoindre d'ici une heure ou deux. C'est ça, oui. Je le ferai toute seule, ce reportage, laisse tomber. Salut. Salut, toi, que tu es mignon, d'où tu viens? Tu es perdue? Oh, tu t'appelles Ozzy? Tu es vraiment trop mignon, t'es un gentil chien, Ozzy. Je comprends ce que tu ressens. J'ai perdu ma meilleure amie, moi aussi. Allez, mon petit cœur, partons vite avant d'être trempés. Salut, jolie Georgie. Je dois faire un papier pour la rubrique cinéma de Bratz Magazine. Ça tente de venir? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux qu'on aille voir? Et si on se faisait Zombie Attack 2? J'ai vu Zombie Attack 1, c'était top génial. Le moment où il y a la télé qui explose, c'était... Ah, c'était top! C'était monstrueux! Je
Je suis Birdine Maxwell, la fondatrice, présidente, rédactrice en chef de Your Thing Magazine et la reine incontestée de la mode. Et j'exige ma suite royale sur le champ. Par Sainte Rosetta, vous osez appeler ça une chambre? Une niche à chien, pas plus. Oh! Ah! Allez, Benny Boo, laisse-moi un peu l'appareil. Oh, il n'y a plus de mémoire. Mais c'est pas juste, j'ai pas pris une seule photo. Tu le feras. Bon, allez, il faut qu'on se bouge. J'ai planifié toute la journée, je veux pas prendre de retard dans le programme. Tu as planifié toute la journée, toute seule, sans me consulter? Jade, fais pas ta mauvaise tête. Je sais ce que je fais. Ouais, c'est ça. Prenez-vous pour un oiseau et admirez Londres depuis le ciel. Envolez-vous avec le London Eye et contemplez le paysage. Les filles, je suis trop contente que vous soyez rentrées. Chloé m'a totalement laissé tomber. J'ai trouvé le plus gentil des... chien. C'est un comble. Quand je pense que ces ringardes de Bratz ont baptisé leur torchon de leur propre surnom... Oh oui, ces filles sont totalement égocentriques. Ces misérables effrontées vont le payer très cher. Elles ont osé voler notre chambre, nous faire concurrence en lançant un magazine de mode, et elles ont l'audace de vouloir nous devancer sur le scoop du siècle. On m'écoute quand je veux s'y faire. Je vais les ratatiner, douce sera la vengeance. Je ferai rôtir leur satané magazine aux flammes de l'enfer, même si pour cela je dois vous tuer. Elles ne peuvent pas et ne doivent pas réussir. Est-ce que vous comprenez? Mais d'où vient cette horrible odeur de brûlé? Oh, par Sainte Rosetta! Il est grand temps de prendre le thé. Quelqu'un souhaite-t-il se joindre à moi? Chloé, tu détestes le thé. Et c'est quoi cette drôle de façon de parler? En fait, je crois que je suis assez séduite par le... T'es pour un, s'il vous plaît, très cher? Ainsi que je vous le disais, le croquet requiert une intense concentration. N'ai-je pas raison, Pretty Princess? Je n'en sais rien du tout, je n'y ai jamais joué. Oh. Nigel, Yasmine est surnommée elle aussi Pretty Princess. Ah oui? C'est drôle, vous me faites plus penser à... une pêche. Une pêche. Je vous retrouve demain, Pretty Princess. Ciao, pêche. C'est ça, ciao. À demain, alors, Nigel. Les filles, est-ce qu'il n'est pas adorable? Oui, adorable. À plus. Oh, Cool Cat, si tu as quelque chose à me dire, vas-y, dis-le, je t'écoute. D'accord, tu es un tyran, un monstre, un dictateur, tu veux tout contrôler, tout commander. Tu es encore pire que Birdine. Je vous en prie, les filles, on se calme. Oh, toi alors, t'as un sacré culot de venir nous donner des leçons. On t'a quasiment pas vu depuis qu'on est là. C'est vrai, t'exagères, Yasmine a dû couvrir tous les endroits à la mode toute seule. Ça la dérangeait pas, où est le mal? Si, ça me dérangeait. Et après, qu'est-ce que tu vas nous dire? Que tu ne peux pas venir avec nous à l'ouverture du Pins? Oh, j'ai totalement zappé l'histoire. Nigel m'a invité à une réception que donne son frère demain soir. J'ai promis d'y aller. Chloé, la principale raison de notre voyage à Londres, c'était de décrocher des scoops pour notre magazine. T'as oublié peut-être, on a décidé de lancer notre magazine. Au secours, appel d'urgence, je ne sais plus quoi faire. Difficile de faire comprendre même à mes meilleurs amis la détresse où je suis. Personne ne sait la souffrance, l'agonie inhumaine que j'endure. Écartelée entre mon tout premier prince charmant, je veux dire duc charmant, et mes trois meilleurs amis pour toute la vie. Que doit faire une reine de la tragédie de mon âge? Mauvaise nouvelle, les filles. Birdine et les Jumoniacs sont ici. Bah alors, qu'est-ce qui vous arrive? Des trucs de filles. Ça doit être la série de photos qu'a prise Jade.
Waouh, elles sont super classes. Nigel, salut. Vous vous souvenez de Sacha? Salut. Merci, moi aussi. Mes amis vont couvrir la soirée d'ouverture d'une nouvelle boîte rock pour notre magazine. Est-ce que ça vous tenterait d'y aller après le dîner? Nous en discuterons tout à l'heure. Dépêchez-vous de vous habiller, il serait inconvenant d'être en retard. Hop, hop. Je suis habillée. Habillée? Chérie, vous n'êtes pas sérieuse. Vous avez sûrement dans vos armoires une tenue plus élégante et plus discrète. Vous savez, comme ce que porte cette délicieuse jeune fille qui piétine devant votre porte. Quoi? Salut, justement, passez vous voir. Et vous vous êtes tout à coup scotché sur notre porte. C'est vraiment lui, Nigel Forrester, duc de l'Essex. Toi, tu dégages, je l'ai vu la première. Correction, je suis Nigel Forrester, 9e duc de l'Essex. Cher duc, j'adore votre cravate, elle est exquise. Ce qui est exquis, très cher, c'est votre goût. On baisse le rideau, les jumelles. La scène de compliments en tout genre est terminée. Pardonnez-moi, mais je trouve très rude de traiter les gens de façon aussi désinvolte. Surtout quand il s'agit de jeunes filles aussi séduisantes. Nigel? Pas aussi séduisante que vous, évidemment, Pretty Princess. Allez, trêve de discours, nous devons partir. Oh! Hey, Cool Cat, j'ai travaillé sur la mise en page de nos photos, je voudrais ton avis. De nos photos? Bunny Boo, tu as utilisé toutes mes photos. Les tiennes étaient bien meilleures. Tu sais, tu as un sens extraordinaire de la mode et du style. Merci. Écoute, je te demande pardon, j'ai été idiote. Je sais que j'ai un caractère infernal. T'inquiète pas, Sacha. Je te pardonne sans problème. Meilleurs amis à nouveau. Pour la vie. Je comprendrai jamais les filles. On se bouge, il faut qu'on se trouve un look d'enfer pour aller à la grande soirée d'ouverture du Pins. Est-ce que vous pensez à ce que je pense, les filles? Shopping! Au cas où cela vous aurait échappé, la soirée est à l'intérieur. J'avais envie de souffler 5 minutes. Vous savez, le Pins va sûrement ouvrir vers... Oh, enfin, Chloé, je ne voudrais pas aller attraper la mort dans je ne sais quelle boîte rock nous est abonde. Je veux dire, ces endroits sont si vulgaires. Je ne suis pas de votre avis, cette boîte de rock est très classe. Et puis, je meurs d'envie de danser avec mes amis. C'est minable. Oh non, je vous en prie, Pretty Princess. Elles sont si rustres et si grossières. Non, elles ne sont ni rustres ni grossières. Et je vous interdis d'en dire du mal, votre royale crétinerie. Vous êtes en train de dépasser les bornes, Pretty Princess. Arrêtez de m'appeler tout le temps Pretty Princess. Tous mes amis m'appellent Angel. Dukinou, vous êtes là. Ce balcon est absolument magnifique. Pas aussi joli que la beauté qui s'y penche, Pretty Princess. Vous savez, je ne me souviens pas avoir jamais éprouvé des sentiments aussi forts pour une jeune fille. Dukinou, on vient à peine de se rencontrer. Est-il si insensé de croire au coup de foudre? Regardez, Dukinou, on voit Big Ben. Ciao. Salut. Salut. T'aurais pas perdu quelque chose? Ma chaussure, tu l'as ramassée. Accroche-toi, Angel.
Rappelle-toi, Dylan, tu dois prendre des photos des garçons autant que des filles. Nos lecteurs voudront voir les deux. T'inquiète, j'ai compris. Salut tout le monde. Chloé? Les filles, j'ai eu un raz-de-marée émotionnel qui m'a totalement submergée. Ces derniers jours, je sais que j'ai eu un comportement stupide et très injuste. Je m'en veux et je suis désolée. Je comprendrais tout à fait que vous ne vouliez plus jamais me parler. Les filles, notre tragédienne est enfin de retour au bercail. Waouh, vous avez détenu super Top Rock. Merci, c'est ce que nous allons mettre pour l'ouverture du pins. C'est joli, non? Tiens, Angel, regarde la tienne. J'arrive pas à le croire, vous l'avez acheté pour moi? Oui, juste au cas où tu déciderais de venir. Tu sais, Yasmine, dans tout l'univers, il n'y a qu'une seule Pretty Princess. Et dans tout l'univers, il n'y a qu'une seule Angel. Meilleurs amis? Pour la vie. Oh non, elle recommence leur truc de fille. Alors, on va le couvrir, ce scoop ou quoi? Oui! Salut, 6 pour Bratz, je veux dire You Thing Magazine. J'exige que vous fassiez immédiatement arrêter ces Bratz pour imposture. Et pour avoir prétendu être nous. Ouais! Ne restez pas là comme un empoté. Appelez la police. Tout de suite. Hop, hop. Super célébrité en vue. On respire et on reste cool. Conciliabule urgent. Oh mon Dieu, c'est de la pure folie. C'est Byron Powell, le producteur d'America Rocks. J'adore cette émission, c'est trop fort. Attention, ça y est, il s'approche de nous. Oh, vous avez retrouvé Ozzy. J'étais mort d'inquiétude, il s'était perdu. Ozzy et votre chien? Par Sainte Rosetta, arrêtez-les, je veux qu'on leur mette les menottes et qu'on les embarque. Ouais. Oh non, c'est encore cette abominable mégère qui était dans l'avion avec moi. Venez, les filles, suivez-moi. J'ai amené quelques amis. Est-ce que vous réalisez que ces trois épouvantails sont en totale violation du code vestimentaire en vigueur? Le rock se mélange mal avec le rose. Vous ignorez donc qui je suis? Ouvrez vos oreilles. Je suis Birdine Maxwell, fondatrice, présidente et rédactrice en chef de Your Thing. Et c'est un strike pour les Bratz. Comment je peux vous remercier d'avoir recueilli Ozzy? Pourriez-vous nous accorder une interview pour notre magazine? Vous savez, je viens de signer les Crash. Ils jouent demain soir au concert de charité de Sauver l'Univers. On a déjà des invitations. Et est-ce que ça vous tente des passes pour le backstage et une interview de moi après le concert? Oh oui! Oui! On va danser? Soirée d'hier au Pin, c'était éclatante, c'était trop top. Oui, j'ai dansé comme une folle toute la soirée, j'ai adoré. Et j'ai rencontré un homme mystérieux comme mon horoscope l'avait dit. Et vous vous rendez compte que c'était Byron Powell, le producteur d'America Rocks. L'interview que tu vas faire va être géniale. Moi, mon horoscope disait qu'un séduisant prince allait m'enlever sur son cheval blanc. La vérité, c'est que j'ai rencontré un duc qui s'est changé en grenouille. Arrête de déprimer, Chloé, parce que ce soir, Bratz Magazine couvre le concert de Sauver l'Univers. On sera aux premières loges pour l'événement musical de l'année. Et grâce à Yasmine, on a aussi des passes pour les backstage. Par Sainte Rosetta, ces sales petites pestes de Bratz ont réussi à nous doubler dans cette minable boîte de rock hier soir et elles vont nous doubler aussi au concert de Sauver l'Univers. Si je n'ai pas de place dans l'heure qui vient pour ce concert archi-bondé, je vous accroche toutes les deux par les oreilles au sommet de Big Ben. Ah! C'est clair? Allez, hop, hop! Oh non, pas ma mère encore! Maman, je t'ai dit d'arrêter de téléphoner. Oh, salut Cameron. On allait partir faire un tour à Hyde Park. Oui, d'accord. À tout à l'heure. Un amoureux, Angel?
Non, qu'est-ce que tu t'imagines, c'était Cameron? Eh, hey, Pretty Princess, les places pour le concert sont en sécurité, j'espère. Je ne voudrais pas que Birdine et ses jumoniacs viennent nous les voler pendant qu'on est dehors. T'inquiète pas, Bunny Boo, je les ai bien cachés. Oh là là, cette suite est super belle, t'as vu ça? Et regarde tous les produits de beauté. Oh, c'est trop génial. Donne-moi ça, je l'ai vu la première. Non, n'y touche pas, c'est à moi. Oh, ce truc est vivant, Skook, ici. Oui. Bravo, super. À ton tour, Cameron. J'y vais. Joli. Chloé, ça te paraît dingue de croire au coup de foudre? Après Nigel, je ne suis plus sûre de rien. Allez, debout. On va rejoindre les autres. Let's get to it, everybody do it, everybody have some fun. Let's get to it, everybody do it, everywhere and everyone. Let's start it up, get into something that we don't ever stop. Let's get a little crazy, that's what we need. Do what we wanna do, you know what I mean. Oh, hey, hey, now! On a intérêt à trouver ces places avant que Bec de Pie nous pulvérise. Oui, parce qu'après ce sera difficile de les trouver si elle nous pulvérise. Oh, cette veste est trop géniale, elle a un look d'enfer. Oh, jette ça tout de suite, c'est au bras, c'est une look immonde. Bingo. Finalement, on échappera à la pulvérisation. On va vivre. Elles reviennent, vite, faut se cacher. Ça te dérange que je reste là pendant que le service d'entretien fait ma chambre? Je veux bien si tu promets de rester tranquille. Je dois travailler mes questions pour mon interview de Byron Powell. À quelle heure commence le concert? Je voudrais être sûre d'avoir assez de temps pour passer devant le miroir avant d'y aller. Attends, je vais voir. Oh mon Dieu! Les billets ne sont plus là! Ce concert, c'est mon rêve qui devient réalité! C'est le bonheur! Tous les meilleurs groupes de rock du monde seront là! Et en plus, on pourra les voir en backstage grâce à Yasmin! Ce scoop va mettre Bratz Magazine sur la carte du monde! Je suis sûre de les avoir cachés dans ma veste! Oh, réfléchis pour moi, Dylan! Je sais! On va attendre que les autres reviennent, elles trouveront une solution. Dylan, est-ce que tu es cinglé? Ne réponds pas, je le sais déjà. Il est hors de question que je leur dise que j'ai perdu les places. Elles comptent dessus. J'arrive pas à croire qu'elles aient pu disparaître. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Oh, oh, je sais, je vais aller trouver Byron. Lui, il nous fera entrer. Tu restes là et tu me couvres, tu as compris? Tu ne dis à personne que j'ai perdu les invitations. Elles devront me suspendre par les pouces et me forcer à me shampouiner la tête à l'œuf pourri. Cool, je serai vite de retour. Wow, not bad. Oh, wow. Encore! Notre magazine a trop besoin de ce scoop. Il faut absolument que je parle à Byron. Ouvrez-moi, c'est moi, Yasmin, c'est super urgent. Ouvrez-moi.
faut que je voie Byron Powell, c'est extrêmement urgent. Cette fois, c'est fini, ma vie est fichue. Ne bougez pas. Tenez, c'est le linge sale. Ah, ce sont des sous-vêtements que les bras te sont portés. Au secours, c'est écœurant. On va aller très tôt au concert, comme ça on pourra parler aux musiciens avant qu'ils entrent en scène. Ça va les filles? Oui, Yasmine. Oh, elle a dû sortir. Ah oui? Où ça? Au bowling. Au bowling? Tu rigoles? Tu nous caches quelque chose, j'en suis sûre. Moi? Non, pas du tout, j'ai rien à cacher. Alors, quoi de neuf? Vous avez lu de bons bouquins ces derniers temps? Torture chatouille. Dis-nous tout. Allez, parle. D'accord, j'avoue tout. Yasmine a perdu les invitations, elle est allée chercher de nouveaux passes. Non, ces invitations ne peuvent pas avoir disparu. Il faut les retrouver, tout mon article dépend de ce concert. C'est tout notre magazine qui dépend de ce concert. Je lui avais pourtant dit de mettre ses billets en sécurité. Elle a dit qu'elle l'avait fait. Oui, bah sans doute pas assez. Du calme, Bunny Boo. Yasmine est notre amie, nous devons entendre sa version de l'histoire. Oui, tu as raison, Angel. Mais je me fiche éperdument que vous ne les ayez pas en stock. Ça fait 60 fois que je demande des draps de lin rose. Quand vos esprits obtus vont-ils saisir le message? Mission accomplie. Vite, mon nez tombe en morceaux. Oh, toi et ton maudit nez, tu nous embêtes. Bien joué les filles. Your Thing Magazine va réduire Bratz Magazine en poussière. Bratz, votre carrière est terminée. Je parie que toutes les grandes stars seront au concert. Et tous les regards seront braqués sur moi. C'est d'ailleurs pour ça que toutes les deux, vous allez me changer en impératrice du super branché. Ces invitations sont forcément quelque part ici. Dylan, tu m'avais juré de ne rien dire. Je suis désolée, mais elles m'ont chatouillée à mort. Pretty Princess, pourquoi tu ne voulais rien nous dire? Cool Cat, j'avais trop peur de vous décevoir. J'avais peur que le magazine soit fichu. Yasmine, qu'on retrouve ou non ces invitations, tu sais qu'on t'aimera toujours. Oh, c'est vrai. Bien sûr. Notre amitié est bien plus importante que le plus grand des concerts. Ça, tu peux en être sûre. Alors, comment je suis? Ne sentez-vous pas le surf et le sable qui se dégagent de moi? Birdie Maxwell, vous avez la classe Honolulu. Par Sainte Rosetta, la grande classe Honolulu. Le videur a dit que seuls les groupes de rock étaient autorisés à entrer. Dis donc, Yasmine, c'est quoi ce truc sous ta chaussure? Ah, il y a même des points noirs dessus. Pourquoi ce pansement écœurant me semble si familier? Les jumoniaques! Pretty Princess, tu n'as pas perdu les invitations. Ce sont ces sœurs diaboliques qui sont venues les voler dans notre chambre. Oh non! Alors on ne les reverra jamais, c'est fichu. On n'a plus qu'à laisser tomber et rentrer chez nous et oublier tous nos rêves et nos ambitions. Et finir dans des boulots où ils vous font travailler sous d'affreuses lumières fluorescentes qui vous font un teint atroce et... Non, il n'est pas question que je laisse Birdin et les jumoniaques détruire mes rêves encore une fois. Tu veux dire nos rêves, Cool Cat? Rien ne réussira à nous empêcher de lancer Bratz Magazine. Alors c'est quoi la solution? Yasmine, tu as dit tout à l'heure que seuls les groupes de rock avaient le droit d'entrer. Est-ce que tu es en train de penser à ce que je suis en train de penser, Jade? On n'a plus qu'à devenir... Un groupe de rock! Écoutez tout le monde, on a 4 heures pour mettre au point une chanson et convaincre le videur qu'on est un vrai groupe. 4 heures, on n'y arrivera jamais? Ta
T'inquiète, Angel. Mon horoscope l'a dit. La musique, c'est mon truc. J'ai tout en tête. Je sais comment m'y prendre. Voilà le plan. Je mets la choré au point. Jade, tu t'occupes des tenues de scène. Ça roule. Chloé et Yasmine, vous écrivez la chanson. Ouais, super. Ça rock. Je servirai de Rodi. Et moi, je serai le chanteur. Le choriste, peut-être. Le souffleur. Non, toi, Dylan, on va te mettre derrière l'objectif. Paparazzi, j'adore. Et ça va être quoi le nom de votre groupe? Qu'est-ce que vous pensez de Sasha's Angels? Attends une seconde, Angels Rock. Pourquoi pas Rock Angels? Oui, ou plutôt Bratz Rock Angels. Trop bien! Je kiffe! J'adore! Oui, Bratz Rock Angels! Allez, venez, Bratz Rock Angels! Faut que ça bouge et que ça rock! Oh non! Les guitares! Oh mon Dieu! On ne les aura jamais à temps pour le concert. Le videur ne nous laissera pas entrer. On ne fera pas de reportage ni d'interview de Byron Powell. La première parution de Bratz Magazine sera un échec. Je serai obligée de partir camper avec mes parents et de chanter du Elvis. Hé, les filles! Regardez ce qu'on vous a dégoté aux puces. Bratz Rock Angels, en avant! Wow, super les filles, ça rock! Oh, Bert! Vous êtes sûre que c'est la nouvelle danse à la mode? Oh oui! Tout le monde à l'école la connaît, c'est super branché, pas vrai, Casey? Oh oui! Faites comme nous, c'est facile! Non, je savais pas que vous étiez capable de jouer de la guitare comme ça. Il y a un tas de choses que tu ne sais pas sur nous. Oui, Sasha à l'appareil. Bon, d'accord, on arrive. Notre limousine nous attend dehors. Une limousine? Les filles, il est temps pour les Bratz Rock Angels d'éblouir le monde. Bratz Rock Angels, par ici! Celle-là, c'est pour la couverture de la première parution de Bratz Magazine! Hé, Dukinou! Qu'est-ce que vous faites là, tout seul? Pas grand-chose. Je suis venu ricaner devant l'agitation des masses populaires. Oh, une altesse! Oh, vous êtes Nigel Forrester, 9e duc de l'Essex. Je suis sûre que vous savez qui je suis. Je suis Birdie Maxwell, la fondatrice, présidente et rédactrice en chef de Your Thing Magazine et la reine incontestée du monde de la mode. Écoutez, reine de peu importe de quoi, allez donc vous trouver un surfeur qui est comme vous l'âge de mon père. Oh, qui est comme moi l'âge de votre père. Bah quoi, vous reconnaissez pas les Bratz Rock Angels? Le plus stylé des nouveaux groupes de rock? Allez, encore une photo! S'il vous plaît, vous pourriez nous débarrasser de ce casse-pied? Hey! On a réussi, on est entrés! Comme
Comment ça, Crash, c'est terminé? Votre groupe s'est séparé? Oui, le groupe a explosé. Crash, c'est fini. Mais je suis pas encore prête à chanter en solo. Tu te rends compte? C'est épouvantable, abominable! C'est une catastrophe nucléaire internationale! Oui, je me rends compte, c'est terrible. Ce concert représente tellement pour tout le monde. Oh, mais je rêve! Tu es Roxy, la chanteuse des Crash! Ouais, enfin, l'ex-chanteuse des Crash. Et tu es censée entrer en scène tout de suite. Ils t'attendent, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Dites les filles, vous savez chanter? Et comment? On chante comme on respire. Êtes-vous prêts? Le concert de charité Sauver le monde est heureux d'accueillir les Bratz Rock Angels! Les Bratz? Qu'est-ce qu'elles font là? Décrochez ça, vous m'entendez? Décrochez ça! Allez hop, ma petite dame, par ici la sortie. Non mais voulez-vous me lâcher? Arrêtez, savez-vous qui je suis? Posez-moi tout de suite! Pas notre problème! Ça bouge, ça sonne, ça rock! Applaudissez bien fort, les Bratz Rock Angels! We know how to dare, we know how to dream. Tonight is the night, what we wanna be, we'll be. We're gonna make it through. Let's conquer the fears, take every chance, hold back the tears. What we wanna be, we'll be. We're gonna make it through. Out of our heads, into our hearts. Rock angels! Des filles passionnées de mode ont lancé Bratz, un nouveau magazine ultra branché, et sont devenues des rockstars. On est revenu de Londres avec un tas d'articles époustouflants. Une interview exclusive. Byron Powell, le grand producteur. Jeune fille, vous débordez de talent. Ça bouge, vous êtes le meilleur groupe de rock que j'ai jamais entendu. J'ai eu l'inspiration pour mon premier grand test. Votre petit copain est-il un crétin? Question numéro 1. Est-ce qu'il dit du mal de vos meilleurs amis? C'est minable. Oh non, je vous en prie, Pretty Princess. Elles sont si rustres et si grossières. Si la réponse est oui, alors... Laissez-le tomber! J'ai fait un reportage d'enfer sur la mode à Londres. La classe punk! Le dernier look londonien. J'ai décidé de faire une page sur ce qu'il faut et ne faut surtout pas porter. Mode? Anti-mode! Mais le scoop du siècle, c'était comment créer votre propre groupe de rock! Attention, chaud devant, ça va barder! Notre magazine était lancé, un vrai home run! Oh, mon nouvel ensemble! Oh, mon nouveau
comme on vous le disait, son nez attire les objets volants. Birdine était si déprimée qu'elle s'est avalée plusieurs dizaines de hamburgers avec double cheese et mayonnaise. Les ébrates. Bien sûr, elle accusa les jumoniacs d'être responsables de notre réussite fantastique. Les jumoniacs le payèrent très cher. Pulvérisé brats. Quant à notre carrière de rockstar, Byron nous a signé un contrat mirobolant. Les filles, vous êtes trop classe! Roxy est devenue notre nouvelle meilleure amie pour la vie. On a fait une grande tournée mondiale. Les Bratz Rock Angels ont été propulsés en tête des hit parades. J'ai failli oublier. Dernière petite touche personnelle super stylée. La couverture du tout premier Bratz Magazine. On est des filles qui ont une folle passion pour la mode. On est des